revanche, Dalida contre Claude François. Et voici Dalida. Pour garder bonne conscience, oui, mais surtout, vous vous occupez de tout. Hey, réveillez-vous, monsieur le businessman, il est temps. Regardez-vous, monsieur le businessman, vos cheveux sont blancs, est-ce ainsi que vous gâchez votre vie? Parfois enveloppé dans de la cellophane. Vos colères sont terribles, mais plus encore votre calme. Chaque mois, vous vous faites faire un électrocardiogramme. Vous
vous avez de la morale et vous distinguez le bien du mal. Oui, mais pour ça, vous appelez vos avocats. Votre femme a des fourrures et tous ses bijoux sont vrais. Mais vous gardez les factures que vous passez dans vos frais. Votre secrétaire est belle, vous avez très envie d'elle. Oui, mais pas question, ça ferait des complications. Pas goûter les plaisirs de la terre, mais vous serez un jour le mort, le plus riche du cimetière. Réveillez-vous, monsieur le businessman, il est temps. Regardez-vous, monsieur le businessman, vous avez. Inutile de vous présenter Dalida, Claude François Dalida, pour un match tout amical avec une hôtesse charmante qui nous vient d'ailleurs de Télécan, c'est-à-dire Télé-Normandie, et qui a un nom très connu déjà, il ne lui reste plus qu'à se faire un prénom puisqu'elle s'appelle Huette et Chantal. Voilà. Bonsoir. Eh bien, vous savez que nous avons placé ce match exceptionnel puisque c'est un peu un remake d'ailleurs d'une grande émission italienne qui s'appelait Partitissima et que Dalida a remporté l'année dernière avec un brio extraordinaire. Ah, très bien, c'est gentil, hein. Du favoritisme, on prend une spécialiste devant un malheureux profane comme moi. Non. Toi, tu es spécialiste de tout. Non, mais cette fois-ci, c'est Claude qui va gagner. Bon, on va voir. En tous les cas, ce sont les téléspectateurs qui départageront en envoyant des cartes postales après l'émission. Quoi qu'il en soit, notre match tout amical, comme je le disais, est placé sous le signe des Jeux Olympiques. À quelques jours, c'est tout à fait naturel. Et vous savez qu'il y a trois rubriques de prévues. Ah oui, plus vite. Plus haut. Non, c'est plus haut et plus haut. Et plus fort. C'est bien qu'elle est plus fort. Eh bien, je vous laisse, car... Ah, si. Elle est bien, cette petite Chantal. Ah ouais, pour savoir qui commence le match, pile ou face, celui qui gagne commence. Dalida commence. Asseyez-vous. Allez. Alors, pour commencer, Dalida. Eh bien, écoute, je te souhaite d'abord bonne chance. Et puis, du moment qu'il faut... Aller plus vite. Oui, aller plus vite. Eh bien, moi, j'ai choisi Raymond Poulidor. Et d'abord, avant tout, je voudrais que... remercier Léon qui a bien voulu, lui, commenter le film que nous allons voir. Oui, c'est rien d'extraordinaire, Poulidor, qui va plus vite, c'est normal. Hein. Mais attends, extraordinaire, oui, parce qu'il gagne pour moi. Viens ici. J'ai compris, c'est ça la petite nuance. Alors on regarde. Alors on va regarder. Un petit film en couleur, tranquillement. Guigui, tu peux me ramener un thé, là? Bien, vous le voyez, Raymond Poulidor s'est échappé, il a lâché tous ses adversaires. Il est là à 3 km de l'arrivée, il a marché à 42, sinon 43 km à l'heure depuis le début de la course, et tout le massif central a les yeux rivés sur son coup de pédale. Toute la France téléspectatrice est heureuse de voir Raymond Poulidor remporter enfin la très grande victoire que lui mérite ses qualités athlétiques et ses qualités de cœur. Nous allons pouvoir l'applaudir dans son succès. Et pourtant non, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que cette dame, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme qui arrive, qui va se permettre de battre l'un des plus grands coureurs cyclistes au monde? Juché sur sa mini-bicyclette, une maxi-chanteuse que vous reconnaissez, et je suis persuadé qu'une fois ce coup de surprise passé, pour lui comme pour vous, Raymond Poulidor, pour une fois, ne va pas regretter d'être battu. Bravo, non, c'est très bien, mais enfin, David, il faut avouer que moi, ça me paraît pas très, mais pas très catholique tout ça, j'avoue, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas très catholique. Je trouve qu'il y a un petit truc, là, un tout petit truc. Je crois que tu as... Il y a un petit problème, nous en avons même beaucoup. Mais entre autres, celui de la tricherie. Je crois qu'il y a une petite tricherie là, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux rien me dire? Guy, tu veux rien me dire? Bref, je trouvais que c'était donc pas très catholique, disais-je. Comment? Catholique. Ah! Pas très catholique? Mais dis-moi, c'était le plus vite, donc catholique ou pas, j'ai bien gagné Poulidor, non? Oui, gagné, c'est une façon de parler. Moi, je n'ai vu qu'une forme
de victoire très très relative. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute-moi, alors si tu veux, je peux aller encore beaucoup plus vite. Dis-moi, est-ce que tu as une montre? Moi, je veux bien. Par exemple, bien. Quoi? Alors, dans une seconde, dans une seconde, tu vois, je suis près de toi. Dans une seconde, je viendrai près de toi, habillé comme tu m'as vu dans le film. Oui. D'accord? Impossible, mais enfin, essaye. Oui, alors regarde. Hop! Je vais être très sport, c'est le moins que je puisse dire, et c'est le cas de le dire d'ailleurs aussi. Mais enfin, j'ai l'impression que malgré tout, et je tiens à le dénoncer publiquement, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Je trouve qu'il y a un petit truc. Oui, c'est le moins que je puisse dire aussi. Quoi, quel truc il y a entre... Mais encore plus joli comme ça. Bon, mais... Alors, tu veux pas me proposer quelque chose de plus vite, mais alors sans tricherie, si c'était possible, ça m'arrangerait bien, moi, personnellement. Oui, oui, oui. Un truc plus vite, mais alors... Oui, d'accord. Alors là, un truc qui... Non, quelque chose de plus vite qui n'est pas truqué du tout. Oui. Eh bien, voici, spécialement, sont venues pour nous ce soir les danseuses du Lido, celles qui sont plus vite en acrobatie. Les Rudas Girls. Les Rudas Girls. Yeah, bam. Thank you.